Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Mila est très heureuse de vous annoncer son nouveau projet. Vous l'avez deviné, c'est un livre. Je vous laisse avec la vidéo. Donc je voulais vous dire que je travaille sur un projet actuellement que j'ai commencé à dévoiler il y a 2 jours. Et je sais qu'il y en a pas mal qui ont eu la puce à l'oreille. Donc déjà en termes de télé, je suis toujours en diffusion actuellement sur TFX. Donc vous pouvez me retrouver lundi sur TFX et également vous pouvez me retrouver lundi sur W9 pour les Marseillais contre le reste du monde. Je vous explique, à la base moi c'était prévu que je vienne vraiment en fait aider ma sœur et pas du tout faire l'émission comme vous avez vu, genre en tant que guest et pas en tant que candidate pleinement en fait dans cette aventure. Et j'avais demandé l'autorisation donc à W9 parce que vous savez tous qu'aujourd'hui je travaille avec W9 mais que TFX et W9 s'entendent super bien. Donc du coup j'ai eu l'autorisation en fait de pouvoir participer donc à TFX et venir aider ma sœur. Et en fait c'est la seule raison pour laquelle vous me voyez actuellement dans 10 couples. Mais je suis vraiment de très très court passage, enfin c'est ça qu'on dit. Je fais un passage très court et ensuite je pars très rapidement en fait de l'aventure, donc de TFX. Et c'est pour ça que vous pouvez me retrouver sur W9. Concernant mon projet, franchement j'aurais tellement aimé vous l'annoncer, genre pimpé de la mort, là j'ai juste mis du crayon. J'aurais bien voulu ne plus avoir ça et tout, mais ça fait des mois et des mois et des mois et des mois que je travaille dessus. Et j'avais trop, enfin en fait j'arrive plus à le garder pour moi, mais donc je vais vous annoncer mon nouveau projet. Donc il y en a certains qui ont deviné et pour les autres, je vais vous le dire. Je suis actuellement en train d'écrire un livre. Donc franchement, je suis tellement fière, mais fière de chez fière. Enfin, je vous imaginais même pas à quel point. Parce que jamais de ma vie, j'aurais pensé, moi, écrire un livre. Donc c'est un honneur, vraiment. Je vous dis la vérité, c'est une chance de pouvoir faire ça et de pouvoir le partager avec vous. Je suis tellement fière en plus. Plus de tout ce qui a écrit à l'intérieur. Si on m'avait dit un jour que moi j'écrirais un livre, franchement j'y aurais pas cru. Et c'est ça qui est beau parce que du coup c'est un challenge et c'est tellement un kiff en fait de pouvoir travailler sur ce projet, même si ça a demandé beaucoup de travail puisque c'est pas quelqu'un qui l'écrit pour moi. Vraiment, je participe à 1000% et je suis totalement investie dans ce projet. C'est pas une autobiographie. Ou biographie, je sais pas comment on dit. Ça commence bien. Pour la simple et bonne raison que je voulais pas faire comme tout le monde. Sans dénigrer qui que ce soit. Mais c'est juste que... En fait, pour moi, une biographie... même si franchement, tout ce qui s'est passé dans ma vie, je crois que il y a de quoi raconter... Mais je me dis, vas-y, une biographie, je le fais quand j'ai 50 ans, genre. En fait, c'est un livre qui est complètement différent. Donc, bien évidemment, il y aura des passages de ma vie que j'ai jamais encore partagés. Et j'ai décidé de me livrer à 1000%, vraiment, sans triche, sans faire semblant. Parce que, voilà, il y a des gens qui me suivent depuis le début. Et j'avais envie de vous raconter certaines choses et mon parcours et comment j'en suis arrivée ici. Mais c'est essentiellement basé sur la pensée positive, tout simplement parce que j'avais envie en fait, quand vous aurez ce livre, de pas juste lire pour lire et se dire bon bah voilà, c'est l'histoire de Mila, maintenant on connaît et ensuite on le range dans un coin. J'ai envie que vous gardiez ce livre. J'ai envie que vous le gardiez longtemps et qu'il puisse vous servir dans votre vie. À chaque fois que vous avez des moments où ça va pas, à chaque fois que vous avez des moments où plus rien ne va, vous avez un coup de baisse au moral. En revanche, le livre ne sortira pas tout de suite, donc il faudra être un petit peu patient, mais j'espère sincèrement que ce livre-là pourra vous toucher et surtout vous aider en fait, parce que j'y ai mis tout mon cœur. Comme vous savez, j'ai une chaîne YouTube, même si ça fait super longtemps que j'ai rien posté. J'ai une chaîne YouTube où je parle beaucoup de confiance en soi, etc. J'ai eu une émission qui s'appelle SOS Mila où justement j'ai reçu énormément de mails, mais plus de 1000 mails où je traitais des problèmes au quotidien. Et c'est ce qui m'a donné justement l'envie, en fait, le besoin d'écrire ce livre.
tout simplement pour aider toutes les personnes qui parfois peuvent mal se sentir dans leur vie et ont tout simplement, je vais pas dire besoin d'une voix ou besoin de quelqu'un, mais peut-être besoin de lire quelque chose qui fera que ils se sentiront mieux dans leur vie. Donc voilà mes amours, je continue de peaufiner ce projet. Après j'espère que vous serez indulgents puisque je suis pas psychologue. Franchement c'est moi et ma façon de penser, c'est ma philosophie de vie et c'est pour ça que j'ai vraiment cœur en fait à vous la transmettre et j'espère sincèrement que ce projet vous plaira.